Coucou les budgétaires et les budgétaires, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc je tourne la vidéo aujourd'hui, on est le samedi 1er octobre, mais c'est la fin de la journée, donc je sais que je n'aurai plus de dépenses vu que je ne fais rien ce soir. Donc du coup, c'est ma semaine. C'est bizarre de finir une semaine le 1er octobre, mais j'ai commencé ma semaine le 28, jour de ma paye. Jusqu'à demain au 2. Je voulais plus fonctionner en 4 semaines parce que je m'en rendais compte que c'était un petit peu dur de pas avoir d'avoir zéro pendant 2-3 jours. Enfin bon voilà. Donc déjà, on va commencer par regarder tac, les petits trackers pour voir les dépenses. Je n'ai pas fait trop de dépenses. J'ai fait mon gros plein chez Action. Chez Aldi. Et j'ai mangé ma pizza, j'ai eu un 6 euros pour mes défis, Aldi 71 euros, et chez Aldi, j'ai pris des petites choses pour moi, un bouquet de fleurs, un shampoing, un soin pour la peau. Donc je l'ai déduit de mon budget à moi. Et voilà, et c'est tout! Donc c'est pas énorme cette semaine. Donc ça devrait être pas mal pour remplir les défis. Donc, alimentation, Aldi. Je mets le ticket de côté pour faire mes petites. Donc, j'ai testé le système des petites choses à points. Bah, c'est pas mal. Hein. Ça marche bien. Si j'avais pas pris le bouquet de fleurs, j'aurais pas dépassé. Mais c'était pour mon budget à moi. Donc, il me reste 5 et encore un. Pardon, et encore un 5. Ceux-là, je les effacerai plus tard vu que je viens de faire mes ongles. Donc, si je les efface au dissolvant, je ne vous explique pas. Hop. Ensuite, Action, j'y suis pas encore allée, mais je compte y aller. En plus, il me faut du papier bulle, vu que je vais signer le 24. Je vous montre un peu, je commence parce que je ne peux pas travailler très longtemps. Donc, du coup, petit à petit, je fais des petits cartons que je récupère à droite à gauche. Voilà, mais il me faudrait du papier bulle de chez Action, donc il va falloir que j'y aille cette semaine. Et le cadeau de ma nièce, toujours le cadeau de ma nièce. Moi, du coup, je me suis dépensé un petit peu de sous pour une fois. Ça, c'est cool. Sortie, j'ai dépensé mon billet de 20 et j'ai remis dans l'enveloppe la monnaie. Voilà. Santé, je les laisse et j'ai bien mes 20 centimes pour le médecin. Oui, parce que j'y vais jeudi. Au cas où je le laisse, c'est au mois. D'hiver, je le laisse, c'est au mois. Les pièces. Alors, j'ai arrêté le défi des 1 euro parce que j'avais besoin de pièces de 1 euro l'autre jour et ça m'a gonflé de pas en avoir. Donc, pour l'instant, j'ai arrêté le défi des 1 euro et me revoilà encore avec un billet de 5. Donc, cette semaine, 5, 10, 15, 20 euros d'économiser et de. Oui, j'ai fait le petit setup avec le petit tapis comme Ecomom a fait ça. J'ai tellement froid. J'aime bien la déco d'automne. J'ai que ça. Hein. Je suis hyper minimaliste dans l'âme. Si je trouve, j'achèterai juste des petites serviettes. Mais voilà. Donc, du coup, ça, on placera dans les défis après. Normalement, on les place le mercredi, mais oh non, si. Je vais attendre de mercredi, on va le faire parce que je suis pas sûre de ne pas devoir faire appel à des déménageurs pour m'aider à déménager. J'ai du monde, hein, mais j'ai pas de camion et comme je suis bah, archi en forme, faut que je voie les prix, mais c'était fermé là, donc. Que j'ai pas pu voir. Donc ça, on s'en fiche. On veut les enveloppes de la semaine. Voilà. Donc voilà mon budget de planeur. Je n'ai pas encore reçu. J'ai commandé hein, ma commande Amazon. Je l'aurai lundi. Par contre, j'ai commandé sur Chine. Ça devait être livré entre le 29 et le 2. Non, ça peut être livré demain. Et on va remplir les enveloppes de la semaine du 3 au 10. Donc celle-ci. Alors j'ai mis ordi, mais ça me saoule. Oh! Depuis que je me suis fait pirater, je dois y aller, mais ça me gonfle. C'est pas du tout compté dans le budget en plus. Hein.
Je ne l'ai pas du tout compté dans le budget. En plus, il marche. Je vais pas, je fais tout avec mon téléphone. C'est très rare que j'allume l'ordi. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va attendre un peu. Donc, là, c'est les montants par semaine, mais j'ai déjà tout retiré, hein, vu que j'avais encore un mois chez Hello Bank. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Alors, donc, on pousse la date. Hop, voilà. Alors, les courses cette semaine, 50. 50, 50. On va en cascade. Plus ça va dans le mois, moins je mets, puisque je fais le gros plein chez Aldi. Hop, donc 50 euros. Oh. Oh, je suis pas très patiente pour. Pourtant, c'est du vernis qui sèche en minutes. Vapo, je vais avoir besoin. Donc, je vais prendre mon billet de 50. J'irai faire. Enfin, j'irai acheter mes trucs et je remettrai la monnaie qu'on me redonne dedans. Voilà. Vapo. Oh! Je me fais avoir à chaque fois. Mais. Je vais faire ça après parce que je vais me ruiner l'ongle. Est-ce que vous voyez bien? Ensuite, action, je laisse mon billet de 50, je vais y aller. Mail. Je devais remettre 20 balles. 20 balles. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, on verra à la fin du mois. Normalement, moi, c'est mail, 20 euros. Bah, je vais me le mettre, comme ça je sais que j'ai le droit qu'à 20 euros. Et ou alors, je me mets des pièces. Parce qu'on s'en fiche un peu des pièces au bout d'un moment. Alors, je vais juste colorier ma pièce de 2. Alors, attends. Tourne. Je me colorie. Tiens, pousse-toi de là. Je m'étais dit ça, je me suis dit, tiens, si j'ai pas de monnaie. Donc, ma pièce de Dieu que j'ai. Tac, 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 tac. Ça fait 44. Regardez, j'ai customisé mon. J'adore faire des bracelets brésiliens. Donc, je voulais vous montrer. Et ce que je vais faire, c'est. Ah, mais j'ai pas de monnaie en fait. Je suis bête. Je suis bête. Oh là là. Bon, c'est pas grave. J'ai le droit à 20 euros. Est-ce qu'il rentre sans le pli, mon Genevier? Oui. Oh, ça me saoule de prendre autant. C'est un peu pénible. Non, je sais ce que je vais faire. Il va me rester plein de thunes à la fin. Plein de sous à la fin. Ouais, bon, si je me pointe à la caisse d'action, si j'en ai un peu plus, avec mon phobie, ils vont me dire, oui, d'accord, madame. Au revoir. Vapo, tiens, je vais faire aussi, je vais mettre juste que j'ai droit à 10, vu que j'ai pas de cerveau. Mais, ah, je les ferai après. Alors ensuite, on continue. Les sorties. Sorties, j'ai droit à, tic-tic-tic, sortie 10. Je vais avoir un billet de 10. Oui! Pas beau ça? Billet de 10. Tac. Sorti. Voilà. Ah. Santé, médecin. Très important. Jeudi. Jeudi. Mon petit doc. Hop, ça. Important, faut jamais j'oublie. De toute façon, j'ai déjà mon réveil de régler. La fille qui a trop peur d'oublier, mais en fait, ouais, ce qui m'arrivait, ça m'arrivait pas avant, mais j'ai des oublis. Madge Joy, rien au cas où on laisse. D'hiver, on laisse. On a dit que tant pis, on laissait les billets de 5 jusqu'au bout. Il doit y avoir toujours 20. 5, 10, 15, 20. Tout à fait. Et en plus, les billets de 5, ils rentrent bien. C'est plus joli.
Je préfère. Bon, vous savez quoi, comme j'ai pas beaucoup de défis, ben, on va faire le remplissage ensemble des défis et puis on se retrouvera que dimanche. Vous allez me manquer. Parce que, à moins que je trouve un sujet sympa pour vous faire une petite vidéo ou vous raconter ma vie, on verra. Bon, alors, la pièce de 2, c'est bon. Bah, en même temps, ça va aller vite, hein. Parce qu'il y a pièce de 2 et j'avais dit 1, 2, 3, 4, 4 billets de 5. Donc, bah, ça va aller vite, en fait. Du coup, je ne peux pas remplir mon billet de... Mon défi du mois d'octobre. Ou alors... Parce que les pièces de 2, je vais commencer à les écouler. Ah oh, mais pourquoi je... Non, mais tu n'en as que 4. Ne t'emballe pas. Voilà. Donc, voilà. Et je vais faire un petit micmac pour pouvoir mettre 20 euros dans mon petit défi d'octobre. Alors, je vais prendre 20 euros d'en sortie. De toute façon, on s'en fiche. Il n'y a pas 10 quelque part. Bon ben, je suis bête. Au moins, j'aurais mis 10. Oui, je vais mettre 10 pour la pharmacie. Et je vais les enlever. Hein, c'est vrai. Je n'oublierai pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mis 10. Donc ça, c'est cool. Et je voudrais mettre 20. Donc je vais prendre mes 10 de sortie. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà, comme ça, je suis contente. Et je vais pouvoir remplir. Il m'en reste encore un petit peu. Je vais les gommer tout de suite. Magique. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais gommer les deux premières lignes. Je vais barrer le montant. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Je peux même refaire un billet. On verra ça plus tard. Voilà. Et je vais pouvoir remplir le défi de Belette Budget. Et mettre 20 euros la première semaine. Et ça va me ravir. Je vais aussi sûrement, j'ai déjà fait l'enveloppe, devoir faire une enveloppe déménagement si je me prends des déménageurs. Même si franchement, mais en 1 heure, c'est fait, il n'y a rien. Je prends pas l'électroménager vu qu'il y a déjà tout. Mais bon, donc c'est mon défi du mois d'octobre, ce sera certainement pour ça. Regardez ma petite... Je l'ai pas trouvé. Voilà. Ça rentre? Non, je ne pense pas. Et voilà. Là, je l'avais un petit peu raté ici. Voilà. Bon, allez, c'est tout. On a tout fait du coup. Donc, remplissage, bilan semaine 1, remplissage semaine 2. Et on a réparti les défis. Donc, on verra si on se voit mercredi ou si on se revoit dimanche prochain pour le bilan de la semaine. En tout cas, je vous fais des gros bisous les budgéteurs et les budgéteuses. Passez une excellente semaine. À très vite. Et merci de me suivre. Merci pour tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On est plus de 500. Donc, il va y avoir le petit concours. Bah, peut-être que je ferai ça mercredi du coup. Je vous annoncerai le petit concours que je vous ai préparé. Pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Donc, je pense qu'on va se voir mercredi pour ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.